Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Et nous savons que ce que vous vivez sur Terre peut parfois être assez difficile pour certains d'entre vous. Et nous devons vous rappeler de ne pas vous laisser affecter par ce que vous vivez, car nous avons vu ce qui se passe lorsque vous le faites. Lorsque vous laissez les circonstances de votre vie vous entraîner vers le bas, sur le plan vibratoire, vous ne pouvez alors plus obtenir les réponses dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas voir, penser ou sentir pour sortir de là où vous vous trouvez. Parce que vous êtes tellement concentré sur la réalité de votre situation telle qu'elle est et vous vous enlisez alors dans cette boue. Vous oubliez que c'est vous qui créez le problème et que c'est vous qui devez en sortir. Vous oubliez dans ces moments-là que chaque problème doit avoir une solution dans cet univers de dualité. Vous avez parfois besoin de rappel de notre part et d'autres collectifs comme nous pour savoir qu'une issue existe et que la seule sortie possible est de vous élever en fréquence vibratoire. En d'autres termes, si vous détournez votre attention de ce qui vous a mis dans ce marasme en vous concentrant un moment et que vous vous tournez vers quelque chose de plus attrayant, détournant votre attention, alors votre vibration augmentera naturellement pour que la solution puisse trouver son chemin vers vous et vous pourrez y trouver votre réponse. Il ne s'agit pas là de mettre la tête dans le sable ou de prétendre que quelque chose n'est pas réel alors qu'elle l'est, car vous êtes là pour relever le défi qui se présente à vous. Mais vous êtes également là pour l'affronter d'une manière différente. C'est ce qui rend votre vie différente et attrayante par rapport à celle des autres. Vous disposez de différents outils dans cette vie. Vous avez de meilleures stratégies. Vous avez incorporé des enseignements qui sont nouveaux pour vous. C'est vrai, parfois, vous ne pouvez pas vous frayer un chemin pour sortir de cet espace à faible vibration. Permettez-vous alors, sans regret, de descendre jusqu'au fond, si nécessaire, afin de vous y abandonner complètement et de lâcher prise entièrement. Et ça aussi, c'est OK. Mais si vous arrivez à vous sortir de cela pendant un petit moment, en regardant une vidéo qui vous fait rire, ou en allant nager dans l'océan, ou en marchant dans la forêt, alors faites-le. Si vous pensez que vous êtes mieux en appelant votre ami très aimant, compatissant, et malgré tout terre à terre, eh bien faites-le aussi. Vous n'êtes pas obligé de traverser ce que vous vivez tout seul, et vous n'avez pas besoin de lutter pour sortir de ce trou dans lequel vous vous trouvez. Il est important que vous reconnaissiez que les choses changent tout le temps, pour le meilleur. Et par conséquent, votre situation changera si vous le permettez, en détournant votre attention de celle-ci. Dans le cas contraire, vous pouvez trouver une solution temporaire, mais vous vous retrouverez alors dans les mêmes circonstances et vous n'avancerez guère plus loin. Alors, vous devez reconnaître que c'est toujours une bonne idée d'augmenter votre vibration, même si vous le faites simplement pour vous procurer un sentiment de soulagement. Même si vous ne pensez pas trouver la solution à votre problème, particulièrement en faisant quelque chose, faites-le quand même. Faites-le pour le soulagement momentané que vous obtiendrez. Accordez-vous une pause dans les problèmes que vous avez créés dans votre vie, car vous aimez simplement
vous sentir mieux dans les moments où vous vous concentrez sur rien. Vous changerez les circonstances en vous changeant. Cela peut être appliqué à chaque problème, à chaque scénario qui se présente dans votre vie ou qui se le sera un jour. Nous le savons parce que nous vous avons suffisamment observé et parce que vous pouvez vous appuyer sur nos propres expériences physiques dans nos histoires passées. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Et nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.